Je ne passe pas à la télé parce que tout ça dans mon moment, mon corps, toute période, mon corps, parce que je dois parler. Quand je dis souvent que je suis comme Moïse, je ne viens pas chez Pharaon parce que dans un apôtre, ça ne voyait pas Pharaon. Mais d'ailleurs, que pas Pharaon parce que dans un maïbisanga kendo et bisa Pharaon, cette fois-ci, c'est comme ça. Ce que j'aimerais vous dire, peuple congolais, et ça que dans quatre mois, moment, dans la prière, Dieu m'a dit de vous dire, de vous réveiller. Ces pays, vous avez le cas, vous avez le cas en Égypte, vous avez le cas en Kenya, quoi. Réveillez-vous parce que celui qui est là, c'est quoi Pharaon et Amon. Il est temps de vous lever. Il est temps de retourner face à Bino Liboson dans Zambé parce que vous êtes en train de vivre dans la situation où vous vivez dans l'angoté. Et le cas qui a facilité aujourd'hui, comme il dit, la difficulté. Et le cas où on a 200 francs, aujourd'hui, comme il dit, on a 500 francs. Tout simplement parce que. Oh, il y a souffrance nabino et comme il commata c'est commata tout simplement parce que douleur au bozala qui n'ango liboso et comme il commata c'est commata parce que Dieu n'agit pas avec un peuple qui s'assoit mais Dieu agit plutôt avec un peuple qui se lève. Vous ne voyez pas que bozo kende nakokufa, vous ne voyez pas que bozo kende nakonyoka, vous ne voyez pas que la facilité que vous avez na moment oyo monsieur Kabila était là. Ce n'est plus la même facilité que vous avez dans le moment où j'ai toujours dit et que je n'ai jamais été pour qui que ce soit. Et j'aimerais ainsi que m'adresser au gouvernement Yambo Kanabiso de vous dire que vous avez un temps de travail. Vous avez un temps yako de tourner maloba dans Zambé. Vous avez un temps yako mettre en pratique était aux Zambalola yako yabisabino. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes maintenant en temps Yasuka. Malgré des efforts que vous faites. Malgré ma stratégie, surtout vous pour mettre en place. Mais laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas avec vous. J'aimerais m'adresser à Papa Félix de te dire qu'il est temps de te racheter les bossons dans Zambé. Même si vous avez un peu de temps, il y a un dernier moment où vous avez un peu de temps, 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 vous avez un peu de temps. Parce que Dieu t'avait dit que tu ne vas rien faire. Donc voilà, à la fin, tu n'as rien fait. Mais ce que vous faites en cachette, il n'y a pas qu'un zambalo là pour exploser en Goliban. Au commun, il y a un Dieu m'a dit de te dire ce que tu as été à tourmenter mon limon. Il y a des gens qui pensent que Nayaka, tout simplement, pour nous couper sa message, pour la destruction du peuple congolais, et l'autre qu'on a n'ingaka plus, et ça que l'Iloban en Zambé est coquissant. Et je tiens à préciser que je suis ni pour le pouvoir, ni pour l'opposition. Nazawana, pour nous couper ainsi, tu l'éternel. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambé na Brahma. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons également un divertissement, bien que cela soit très modéré. Bienvenue à vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Nous précisons, il y a Gédéon Loïc à la prise de vue, accompagné de Sarive Mbala. La réalisation, c'est signé Jordan Panzou. Nous saluons également l'assistance de William Batende qui est avec nous. Alors, c'est comme ça que nous allons travailler. Permettez à ce que nous puissions aborder le tout premier point, c'est la Fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur.
Vous qui êtes sensible aux cris de détresse, vous avez besoin de soutenir les orphelins, le veuve, le démuni. Je pense que ceci vous concerne, comme vous savez, et il y a une opération qui est déjà en cours. Vous voulez soutenir ces orphelins en leur scolarisant. En tout cas, vous êtes le bienvenu. Vous voulez les acheter les fournitures scolaires. Sentez-vous très à l'aise et cela vraiment nous fera énormément du bien. Parlons en images et on se retrouve juste après. Est-ce que Koko fait la baboti et Zali Soumou? Kozanga baboti, est-ce que Zali Soumou? Voilà, n'a coupé Sabino message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et on a posé Zali Soumou et Nabino. Dans la moussala, mon nez nous a pour Nabana. Dans la moussala, mon nez nous a pour Nabano. Mon kiletiki et Bouaki. Mais nous avons terminé dans l'orphelinat pour nous encadrer Bana. Yaya, li Soumou na yo toi n'a pas ça. 1 euro noto na ngoposa pona mwana moko tango mwana moko alié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Toi na besoin li sungé na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et oza li sungé pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir dia ma mtu nyoso ja ta li kanisa ko sala quelque chose pour sali yango zamba pambola. Une nouvelle opportunité avec Toronto City qui nous ouvre toutes ses portes. Désormais à un prix très abordable, vous avez droit à un terrain mesurant 20 de longueur et puis 20 de largeur. Alors sentez-vous très à l'aise. Kabona makele la papa lopango, ya mama lopango, yo mope ko matata lopango, to mama lopango na mbonga muke, to landa. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, une des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh, non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40 Toronto City. Waouh, les quatre qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Tout le plaisir est le nôtre, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez et vous qui avez choisi ces grands magazines Vérité, Réalité, Bosolo, Pelolenge, Akobika, partout où vous avez l'habitude de nous suivre. Vous êtes dans des métros, bienvenue à vous. Vous êtes à la maison, bienvenue à vous. Vous êtes dans des cuisines, parce qu'il y a nos mamans qui ont l'habitude de nous suivre pendant qu'elles sont en train de cuisiner. En tout cas, c'est une très bonne chose. Vous nous suivez à partir des Ishasha, vous nous suivez à partir de Bunagana, Butembo, Walikale, Mwenga, vous nous suivez à partir de Grand Bandundu, Équateur, Kasai. En tout cas, sentez-vous très à l'aise parce que cette émission est la vôtre et surtout, tout ça, la moussala au Ponako. C'est Pélé Sabino. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau, après un long moment de silence, une servante de Dieu et les prophétesses de ministère, je crois, c'est elle notre invitée. Prophétesse Nani. Mais voilà, c'est la prophétesse Rebecca. Donc Rebecca qui est là, c'est vrai, après beaucoup de temps, hein, tout le monde en a eu la télévision, à l'obacaté. Mais aujourd'hui, elle nous revient. Maman Rebecca, bonjour et bienvenue. Bonjour, papa. Merci beaucoup. La santé, ça va? Oui, santé, ça va. Je suis dans Zambé. Ok. Plaisir, Zalia, qu'on partage le plateau. Nayo, le sous l'élo. Et ça, la connaît lorsque on a quitté la prophétesse.
En tout cas, je me sens très à l'aise parce que ça me ressemble à Bengelanga. Alors, le fait que je suis à Bengelanga, ça veut dire qu'il y a un bon débongi pour Nanga. Donc, je me sens en tout cas très à l'aise. Oh, c'est vrai qu'on ne se voit pas la face, encore très jeune, mais du moins, Moussa Lanzambe et Bandéan ont déjà avant. Bon, et ça, c'est question de cette famille parce que le PCP, papa, M. Gazali, beauté, parce que vous allez voir, il y a Bassali Lanzambe, au Kozoko, la Nakati Alibota, Oyo, Moussa Lanzambe, il y a des opprimés d'abord, il y a des priorités. Sinon, quand même, à l'université, l'ambiance avec des copines. Déjà, je ne me cache pas, puisque là, c'est lumière et banara toujours. Lumière, bon, ma kangote. Déjà, au début, l'université, c'était un peu compliqué. Surtout que c'est une jeune fille, compliquée vis-à-vis à la professeure. Et vis-à-vis à ma collègue, mais avec le temps, ils ont compris qu'on est différentes. On est vraiment différentes parce qu'il y en a celle-là, de la façon. Et de ma façon. Et j'essaye de m'imposer de ce que je suis. Et pas à Montignon surtout. Et j'essaye de mettre tout le monde à l'aise, par rapport à Onazali. Tout simplement que ce qu'on m'a dit ailleurs, je ne suis pas là-dedans. Et Panangai, on parle de Dieu, on parle de la science et tout ce qui wana. Je pense qu'avec des connaissances, des collègues et des autorités de mon université et des professeurs, ils se sentent également à l'aise, ils se sont habitués au Nazali. Ok, d'accord, parfait. C'était un plaisir quand même, Yako Iba, parce que Marambo, c'est vrai, vous êtes servant de Dieu, mais il faut quand même qu'il y a aussi l'âge qui compte, il y a aussi le milieu, l'entourage aussi, où est influence ça. Alors de temps à autre, tout est quand même qu'on a la précision, boé et son abisson. Prophétesse Rebecca, beaucoup de temps de silence. Bah tout le monde a peut-être même sur les réseaux sociaux, comme on aime sur TikTok, on a une vidéo na yo, tout le monde aime sur et dans le moment de prière, tout le monde est au Kamba. Mais tout le monde est au l'économie, tout le monde est au message à Yesu Souboué, au monde à Boué, message n'est pas à Zalaka cru. C'est-à-dire, message n'est pas à Zalaka Penza et Dorlotakate. Il y a Penza, il y a un message, Penza, au senti Penza qui est attaque au caressé, message Zati. Silence, Oyo, Oji, c'est Tiangon Nengeni. Bon, le langage n'a pas de je ne passe pas à la télé parce que tout ça dans mon moment, mon corps, toute période, mon corps, parce que je dois parler. Non, mais je passe à la télé pour couper sa message dans Zambé. Une fois qu'un Zambé est singa, vas-y, c'est le moment. Quand je dis souvent que je suis comme Moïse, je ne viens pas chez Pharaon parce que dans un apôtre, ça ne croyait pas Pharaon. Mais d'ailleurs, que pas Pharaon parce que ton Zambé est singa, qu'un Zambé est Pharaon, cette fois-ci, c'est comme ça. Et ça, c'est le moment où on a des Nayaka. Donc, vous pouvez me voir dans les différentes émissions, il y a prière, dans les différentes images, mais cela ne veut pas forcément dire que je dois venir passer l'émission de l'ainsi dit l'Éternel, puisque ainsi dit l'Éternel, donc, c'est ainsi que mon ingalélo sur la plateau, parce que Dieu m'a dit de venir m'adresser à ce peuple de Dieu. D'accord. Avant de recevoir le message, je crois quand même, permettez à ce que dans comme tu as eu l'occasion, il y a un plateau, tu as moi deux, trois questions et après, on va avancer avec le message. Sinon, en regardant les prophéties, différentes prophéties, la télévision, et tout le monde va te recevoir, puis ça peut ma prophétie, c'est long, quelle analyse ça là par rapport à ton osomona vague, ma prophétie, 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 ou yon soto? On a une camine, ça, tant on a joué avec moi en Zambé, en étant sûr que vous êtes vraiment épais en Zambé. Là, je me sens rassurée, je me sens confiée, mais tant qu'on a joué les cas, qu'on a ainsi dit l'Éternel, au bout de temps, ainsi dit l'Éternel, c'est là où ça me fait mal. Parce que quand Dieu vient pour parler, premièrement, Zambaya, qu'on a battu pour un camion, qu'on ne peut pas l'ingi, bango, mingi, non.
Quand Dieu veut dire quelque chose, premièrement, ça répond à son peuple. C'est ce que je vais dire au courant de cette émission. Dieu n'agit pas par rapport aux gens, par rapport aux individus, mais Dieu agit pour un pays à cause d'un peuple qui souffre. Donc, quand vous venez pour dire de l'ainsi de l'Éternel, si c'est pour vos propres intérêts, on en des amabés. Ce que ça, parce que nous avons un peu de temps, nous avons un peu de stabilité, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps pour remarquer que nous avons quelque part, nous avons un peu de temps, c'est là où ça devient mauvais. Mais ce qui est un zamba lobby, ce qui est un zamba tindi, et surtout que nous avons un peu de temps pour raté, pour nous avons un peu de temps. Mais Dieu parle pour nous, il y a peuple et Mobimba. Et c'est ce qui compte en tout cas. Surtout ces prophéties qui circulent autour, il y a réseaux sociaux, autour, il y a médias. Ce que moi je peux dire, c'est tout simplement que si c'est l'ainsi de l'Éternel, que Dieu vous accompagne. Mais si ce n'est pas l'ainsi de l'Éternel, il y aura un temps où on s'emballe là à cause de stabiliser. D'accord. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, tout le plaisir est le nôtre, surtout de partager ces beaux moments avec la prophétesse Rebecca. Je crois qu'elle a un message. Alors, maman Rebecca, quel message avez-vous? Oui, c'est pas toi, mon nom, on a dit qu'on est kaké et qu'on est dans l'émission. Sinon, c'est quoi le message aux hommes et là, peuple de Dieu de la part du Seigneur? Merci beaucoup, Papa Lendel. Une fois de plus, je voulais vous remercier puisque tout le monde est moins rapide de m'avoir rassuré. Il y a Platon Ayo, c'est un grand plaisir également pour moi. Et que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne évidemment. C'est parce que Zambé a Yebisinga, ainsi de l'Éternel, il y a qu'on s'adresse à peuple naïe, il y a qu'on s'adresse à Baro et Bazali, Koloyamboka, il y a qu'on s'adresse avec des hommes de Dieu, oye à Onaki, oye à Lokotaki quelque part, pour la commissaire Bangona et Sikamoko. Ce que j'aimerais vous dire, peuple congolais, et ça que Nakatna Bamoman, Nanga Yaba prière, Dieu m'a dit de vous dire, de vous réveiller. Chrétien, on ne peut pas être chrétien, mais en balola ibisangana ibisabino tsebola muka. Ces pays, Bozaloka Batmoko, Bozana Katna Egypte, Bozana Katna Konyoko, réveillez-vous parce que celui qui est là, Azakwa Pharaon et Amouana. Aza Pharaon et Ami Balé et Amouana. Si vous reconnaissez bien que tant que Pharaon le père Azalaki, vie était Azalaki facile. Tant que Pharaon le père Azalaki, bana Israël, bana yako souffrir, mais pas autant que bana yako souffrir tant que Pharaon y a moins yak. Tant que Pharaon y a Pharaon y a liboso Azalaki, bana Israël, bana yako lé. Mais ce n'est pas autant façon bana yako pousse à liboso dans Zambé tant que Pharaon y a moins Azalaki. Mais c'est parce que bana yako soit conscience que na kat na souffrance sur tozel musala to bana yako salam balamoko depuis que Pharaon y a moins Ramsès a été comme ko salango deux fois. Et loko to bana yako soit balamoko depuis que Ramsès a été comme ko zongo na kat na difficulté. Et loko yo to bana ki au sala na tombe qui est, mais depuis que Ramsès a yé, to comme ko sala ngo na mbala e belé. Et c'est ainsi que le peuple Israël ba telema ki maintenant ko matani prier pour na ko bondela. Ba telema ki maintenant ko matana prier pour na ko lukelo ngi na Zambé. J'aimerais dire na kat na peuple congolais était, il est temps de vous lever. Il est temps ya ko retourner face na bino liboso na Zambé parce que vous êtes en train de vivre na kat na ba situation boko ko vivre na ngote. Et loko ezala ki na facilité aujourd'hui comme il bino na difficulté. Et loko bonda ki ko on a 200 francs aujourd'hui mon commis qu'on a 500 francs tout simplement parce que tant il y a souffrance nabino et commis qu'on matasse qu'on mata tout simplement parce que douleur au bozala qui n'ango liboso et commis qu'on matasse qu'on mata. Et j'aimerais vous dire de vous réveiller, j'aimerais vous dire de vous lever parce que Dieu n'agit pas avec un peuple qui s'assoit, mais Dieu agit plutôt avec un peuple qui se lève. Bato bazaka ya kovanda dans un balola ya kano secours na bangote, mais ça bato batel le makande dans un balola ya kano secours na bango. Vous êtes là vous êtes en train de dire mboko kende kandengezo kende to sala koboni to loba koboni etambula kandengezo tamboila ba konza weza la kaka bongo. Mais non, vous oubliez que ba responsable la liboso ya vie na bino c'est vous même. Tant que bana Israël ba telemaki sans ce moment la zamba kende ko longola ay kende ko la Musa Moïse sans ce moment la zamba lola kende ko zwa Moïse. Mais tant que bango ba telemaki na note ba continuer ki ko vivre na kat na souffrance soin zamba ko tombola Moïse te. Vous voulez avoir la paix, vous voulez avoir la délivrance, mais c'est à vous d'abord de vous lever. Bolingibo
bon mata bon bon longwa na kat na souffrance au bozan ango mais bon longwa na souffrance au bozan ango te na sika bovandeli bon longwa na souffrance au bozan ango te en croisant le main disant qu'un zambalo la agir. Dieu n'agit pas avec un peuple qui ne va pas à la guerre. Dieu ne délivre pas de gens qui ne va pas combattre. Dieu délivre de gens bah tellement que pour nos kende kobundande bah wana des zambalo la tambola na bon. Alors je vous demande peuple congolais na ainsi dit l'Éternel aux zambalo la ayebi singa de vous dire levez-vous. De vous dire, réveillez-vous na kat na sommeil au bozai. Vous ne voyez pas que bozo kende na kokufa. Vous ne voyez pas que bozo kende na konyoka. Vous ne voyez pas que esclavagisme na bino zo matadele. Vous ne voyez pas que souffrance haute aux eaux vivre et zo kende na kokufa. Vous ne voyez pas que la facilité que vous avez na moment oyo monsieur Kabila était là, ce n'est plus la même facilité que vous avez na kat na moment oyo. J'ai toujours dit et que je n'ai jamais été pour qui que ce soit. Mais nous avons toujours un point d'ordre, c'est bien ainsi Dieu l'Éternel. Nous avons toujours un point d'ordre, c'est bien 11 ans, balola, alingi, alobelabine. Je suis venu vous dire et que si vous croisez le main, si vous restez assis, dans le lingue, vous vendez les lignes, souffrance et combat. Ramsès Oyaza, wana, a continué à connaître. Ramsès Oyaza, régné, wana, a continué à faire souffrir. Ce que vous voyez aujourd'hui, on a pris à 500 francs dans quelques jours, dans quelques semaines, et comme on a pris à 800 francs. Ce que vous voyez aujourd'hui, on a pris à 200 francs dans quelques jours, dans quelques semaines, et comme on a pris à 900 francs. Réveillez-vous dans le prière. Réveillez conscience, Nabino, parce que Dieu est avec vous. Et Dieu n'agit pas avec un peuple qui s'assoit. Mais Dieu agit avec un peuple qui se lève. Et j'aimerais ainsi que m'adresser le gouvernement Yambo Kanabiso de vous dire que vous avez un temps de travail. Vous avez un temps yako de tourner maloba na zambe. Vous avez un temps yako mettre en pratique était aux zambalola yekoyebisabino. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes maintenant en temps yasuka. Malgré des efforts que vous faites, malgré la stratégie surtout vous avez mettre en place pour na koyeba lo lengeni bokoki koluka ko avancer. Pour nous, il y a des gens qui ont été en train de se faire des élections. Mais laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas avec vous. Que nous avons été en train de se faire. J'aimerais m'adresser à Papa Félix de te dire qu'il est temps de te racheter les bossons dans Zambé. Il est temps, il y a une commission qui se passe dans Zambé. Parce que Dieu est en train de tourmenter ton esprit petit à petit. Le lingue a tourmenté que l'esprit de Saoul. Le lingue est en train de Saoul, il y a des gens qui sont en train de se faire. Il fallait tout simplement que David a bêté la yelindanda pour na azwa kimia. Parce que de mauvais esprits, bah, comment qui ko tourmenté. Même moi, le lingue zambalol, alinga sala, yon a dernier moment où. Soko ko yo kate, soko ko zonga na ma kolona zambete, soko ko to sans zambete, yeva ken zambalol a ko tourmenté. A ko tourmenté yo, a ko tourmenté batouba zapembe na yo, a ko tourmenté bo kondina yo. Parce que Dieu t'avait dit que tu vas rien faire. Non, voilà, à la fin, tu n'as rien fait. Zamba ebisakio que tu vas pas avancer. Mais là, à la fin, au sali et l'eau, comme côté. Quand Dieu dit que au sali et l'eau remonte, cela ne veut pas dire que Mboka Boyer ou Kouta ou détruit complètement. Non. Mais en réalité, et bien que au sali et l'eau, comme côté. Mais ce que vous faites en cachette, il n'y a pas qu'un zambalo là pour exploser en Golibanda. Au bozo sala ya kobomba, zambalo là pour bimisan Golibanda. Au commis à moment yasuka. Dieu m'a dit de te dire ce que Koyo Kaete a tourmenté mon limon. Tu vas commencer de faire des choses au singulier qui même pas au sal. Nayo, na gouvernement nayo elongo. Nayo, na batu bazana sima nayo elongo. Zambalo la ko détruit. Quand toi tu penses que tu es le plus fort, que tu peux agir na moment nyo soto lingi. Yeba ke liboso nayo, il y a quelqu'un qui est plus fort que toi, c'est Jésus-Christ. Yeba ke liboso nayo, il y a quelqu'un qui est plus puissant que toi et zambalo. Alors zambabikam akoyeba na ko déstabiliser na nzela nyo soto ko luko lekele. Na nzela nyo soto ko luko kendele. Même quand là où tu pars pour t'agenouiller pour que oluka o aveugler esprit et peuple congolais pour que oluka moyen o aveugler. Mais il y a peuple congolais. Pour que ayez comment la terre réalité où ils en face naie. Laisse-moi te dire, de même façon qu'un de quoi s'agenouer, de même façon zambalo la quoi agenouer pour voir naie. Pourquoi maintenant ça les locaux mon côté. C'est ainsi que j'aimerais une fois de plus à m'adresser ainsi de l'Éternel par rapport aux hommes de Dieu au Bosawana. Pour n'importe quoi Dieu a dit ceci, au pourtant Dieu n'a rien dit. Pour n'importe quoi Dieu a parlé ceci, au pourtant zambalo la lobité. Alors j'aimerais vous dire que il est temps que bozo ngana makolo na nzambe. Il est temps que boye bana koyebi sabana na nzambe o zambalo la lingi. Pas pour que vous agir pour na ba propres intérêts na bino. Pas pour que vous agir parce que bozo na po sa ya ya gain moko non. Ne pas agir maintenant na volonté nzambe. Parce qu'il est temps que zambalo la lingi agir kat na mboka na.
Il est temps qu'Emmanuel alingi alongo la peuple naye na kat na souffrance ou ekomino. Il est temps que Nzambalo alingi alongo la peuple naye na kat na esclavagisme ou bakomino. Alors ce qui bino boko zonga te pa ina Nzambe, Nzambalo la ko déchirer bino en morceaux. Nzambalo la ko bimiso bandai ko sala na cachette. Akobimi sango polele. Kat na bino bokoma na bambriye manga. Kat na bino bokobanda ko se discuter bino na bino. Bokobanda ko bundisama bino na bino. Parce que l'autre avait dit ceci, oh yakoya ko répondre. Parce que l'autre lobaki bo yakoya ko répondre. Parce que bokoma na tango onzambalol akobalo sabino na kat na tourbillon. Et longo moko na pouvoir ou est en place. Et longo moko na papa Félix ou est en place. Nzambalol akotou mante conscience na bino. Une fois de plus, je voudrais dire au peuple congolais et que il est temps de vous lever. Il est temps de se mettre en prière. Il est temps de s'approcher à Dieu. Il est temps d'accotellement, d'accoluka délivrance, yavinabino. C'est quand un peuple se lève, c'est en ce moment-là Dieu fait sortir quelqu'un qui peut diriger. Alors Zambalol, apambolabino. D'accord. Merci beaucoup. Je crois que le message est passé. Et comme d'habitude, on continue notre entretien. Alors, quelques questions que je pourrais aussi poser par rapport à l'événement, déjà où il est cas, parce que des fois, il y a la confusion. Prophétesse Rebecca, il y a un moment, je crois peut-être Olanda qui peut y avoir, parce qu'il y a la télévision, culte organisé par certains hommes de Dieu, balobi qui culte soit un zali. Ba invité président de la République pour que aibana ko dédié mboka na maboko na Nzambe. Ero mona organisation ne salami. Na kati na nini bandai ko wando sentir. Ce qu'on me dire, on peut pas dédier un pays ou demander à une autorité mal placée. Pour que à Bonzamboka, Namboko Nzambe, parce que lui sert qui pour que Bonzamboka Namboko Nzambe. Pour vous dire tout simplement que lorsque Dieu ne marche pas avec des gens arrivent à faire des choses pour leur propre intérêt. Vous vous rassemblez de gens en disant toi, il y a un stade de martyrs, on va prier. Toi, Bonde Nzambe, de Congolais, surtout de Kinshasa, ceux qui sont ici, en Kinshasa, et Bongo Bazan, la province. Et bon, on va dans l'Est. Stade de Martini, Boutongi, pour Bobonde, la Bango Zambé, en plus. Les gens ne souffrent pas seulement au Baza, à Nakata Kishasa. C'est tout le monde qui souffre. C'est tout le monde. Au Baso vivre malédiction, Oyo. Au Baso vivre malédiction, Oyo. Moutoise en place à Mimi. Parce que celui qui n'est pas choisi et pas Inazambé n'apportera jamais la bénédiction. Celui qui n'est pas choisi et pas Inazambé n'apportera jamais la lumière. Et qu'on aura toujours ténèbres sur ténèbres. Et qu'on aura toujours souffrance sur souffrance. Quand on vient à Eko de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez reçu et où est-ce que vous avez reçu ces messages. Mais la seule chose que moi je peux dire est que Tokoki Eko de Dieu, Mboka Mokote Namaboko Inazambé, aussi longtemps Mbokana et Zamosika Inazambé. Aussi longtemps, Bokawana, ils ont marché na kati na badagon. Voyez au dédié, oui, pas ensemble. Il faut d'abord kobuka d'abord badagon au bazan na kati na mbok. Comme ça, wana nte boya rozongi sa oui pas ensemble. Tant que bana Israël bazala ki na arche te, bakuka ki jamais kolonga ba Philistin. Tant que bana Israël bazala ki na arche te, bakuka ki jamais kolonga banguna bazala ki pembe na bango. Quand tant que bozana grâce na Nzambe te, tant que Nzambe wana za likolo na binote, comment est-ce que bolinga bolonga ba Philistin? Comment est-ce que bozolinga bokende na kombo ya Nzambe en disant que to longa ba Philistin wana? Bokolonga ba Philistin wana te. En passant un peu d'ailleurs, il y a question pour vous dire que malgré les efforts que vous êtes en train de faire pour nous repousser, banguna ni bozulu kabo repousser, prier ni bozulu kabo sala que Zambalola a délivré peuple congolais na kat na banguna bazo bundisa bango. Au pourtant la même personne que vous appelez pour nous dédier mboka na maboko na Zambé pour nous comporter kimia, c'est la même qui a vendu ce pays, c'est la même qui a libéré ce pays ici là. Pesi yango na maboko ya banguna o bazo ya kubundisa bino. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Prière ni brossala, quel effet aurait-il? Prière à l'Olengiwana. Quand vous donnez à un ennemi de prier pour votre pays, rien de tout ça va se passer. Donc, mais alors, ce qui crée une confusion, c'est tous ces hommes de Dieu, tout autour quand même, il y a un événement, parce que tout le monde, il y a la prière, il y a la repentance.
biabiso eza en tout cas ekosimba mais au moins bato sali et le comme sur le plan pratique on ne sent pas l'effet le résultat hein aux ali palpable et à prière wana parce que c'est comme ça des fois les hommes de Dieu il faut moins que moi clarté à la côté wana tant bazo sangana basala nzambe abite biso ne to sala pa prière et repentance d'après yo nzambe azana bangote Tango Eli a benga ke ba prophète Sabal. La Bible dit que ba prophète Sabal, ils ont eu le temps de prier, voire même ba déchirer bilamba. Mais moto na bangwe ki tete. C'est ce que ces hommes de Dieu font. C'est quand vous vous prosternez devant d'autres dieux et que vous venez en public en disant que Zambe ya Bal en kit sa moto, au bout d'un moto tira la coquette tete. Donc quand ils prient en disant que tobon de la Zamba lola yo kamawa. Zambalola aya non secours, il y a peuple congolais. Au pourtant, vous-même, vous savez que dans le noir, vous ne criez pas ce Dieu-là, tout-puissant. Zambalola Kitsamotote, parce que vous êtes tout simplement des prophètes Zabal. Alors Dieu ne viendra jamais qu'au Kitsamotonae, Nesika Oyazate. Il n'y aura jamais des effets. Il y a prière, naba effet, il y a prière, nabango, aussi longtemps que ce n'est pas le bon Dieu qu'ils invoquent. Donc c'est ça ce que je peux vous dire. La souffrance que les Congolais vivent, prophétesse Rebecca, Isali, cause d'angoisse. Le peuple congolais a désobéi à Dieu, ou bien ce sont les dirigeants ont désobéi à Dieu, ou bien il y a jusque-là quelque chose où le Congolais s'est engagé à Sala. Et pas Nanzambe, où Sala a quitté, où ils ont attiré les difficultés intenses. Depuis que je suis en négociation sur négociation, rien ne marche. Des fois, moi qui m'écoute, des fois, et puis les motos, Boulma et Salami, Batouba Koufi, tout le monde a dit que ça a phénomène enlèvement, kidnapping. Et je place, je suis en place, alors, essaie un peu de nous expliquer. Cause ni nous que ça qui est Congo et là jusque là à genoux. Merci beaucoup pour la question. Je pense que il y a quelques années passées, j'ai parlé de ça. D'abord, premièrement, le problème aux Anakata au Congo est ça que c'est depuis l'époque de Mobutu, ce pays a été vendu. Ce pays a été vendu, a été livré. N'a pas esprit de zo pour qu'elle ait à maintenir le pouvoir. Je pense que un jour, si tu auras suffisamment de temps, tu m'appelleras. On organisera une émission plutôt, autant qu'on le bela sur ça. C'est parce que ce pays a été vendu depuis l'époque de Mobutu aux esprits de zo pour qu'elle ait à maintenir le pouvoir. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de prier à qu'elle ait à délivrance si elle a il y a quelque quoi arraché mboka oyo et si comme mbuto akende ekoteka yo mais si comme mbuto akende ekotika yo et ce qui est mal est que chaque président oya yaki na sima mbuto on fait la même chose. OK, tant papa Kabila le père aye en se disant et que ngi mboka ya Congo et ça la délivrer il a été évidemment trompé ba juif biloko ya mboka ya Congo moi précisément en ce moment là je n'étais pas né à cette époque mais de ce que moi je récite et pas inazambe, et qu'il y a un temps où il y a que Congo et ses deux pans entraînent Yango Moko. Il y a un temps où il y a que Congo et pour m'amener ma propre zèle Yango Moko. Que bah étranger, bah yasusuko, qu'on dirigeait et que tous ces deux pans entraînent la Bangote. Alors pendant ce temps-là, je peux dire, pour qu'il y ait une solution qui va côté. En disant qu'on a créé bandeau ni toko kobimisa mboka na biso na kati nesiko bazal. Alors ce par là ba kosé sur une fois de plus ba yo ko joa quelques symboles les bloko na biso ba ke ko boire ngo na mai. C'est en ce moment là ko boire ngo na mai na moment ba boire ngo na mai on se rendant pas compte que c'est lui qui était passé et qui ko sacrifié mboka wana kati na mai pour se dire que je vais régner pour toujours. Pour toujours, je ne vais pas entrer dans plus de détails parce que tant les a manqué. Tant où il y a boaki, ces esprits de zoa, on les va produire
quelque chose, Mélian aussi une fois de plus. C'est là où souffrance est bandit dans partout. Tu sais, sur la souffrance, c'est sous ce que tous en gaka misala, que tous en reste sous nuance. C'est partir de ce moment-là. Natango accueilli, paix à son âme. Natango assassiné, que souffrance est comme de partout, même à manger est comme la difficulté. Bah, vous, vous étiez là à cette époque-là. Mm-hmm. J'espère que vous avez vécu cela. Na moment où il accueilli, du fait qu'à zoaki na biloko akolia biloko na surtout ba bois qui na mai, c'est à partir de là. Même na akolia na katambo na biso Congo et comme qui na basse. Même na akolia na mboko na biso Congo et comme qui na difficulté. Donc tout le monde qui non seulement la difficulté à misala, mais tout le monde la difficulté, tout comme la difficulté, il akolia na biso pe comme na passe. Na akolata na biso comme na passe parce qu'ils ont pris quelques biloko na biso ya kobwaka yo. À partir na moment wana, même de minerais qu'on possédait, même de minerais qu'on avait au moins de revenir sur ça, même de minerais qu'on avait au moins de valeur sur ça, ou bien au moins qu'on pèse sa ordre sur ça, c'est à partir de cela que nos mauvais esprits ont pris le dessus. Pour nous surtout, et comment qu'il n'a pas. Nous surtout, comment qu'il n'a pas. Parce que c'est lui qui était là et qui est là quelque part. Alors, ce qu'on doit faire en ce moment, c'est de prier. Il y a le cas de délivrance, il y a un cas. Alors, comment est-ce que tu trouves le cas de délivrance, il y a un cas? C'est quand c'est lui que Dieu va placer au dessus. Quand c'est lui que oh y a qu'on vend dans la carte dans Wende wana, il cherchera des hommes de Dieu. Non seulement ils vont prier pour lui, ils vont prier directement pour notre pays. C'est en ce moment-là que mon cannabis et que mon carte nos souffrances aux alliés. Comme je viens de le dire, je pense que à la prochaine fois, donc on attend et on vous aura des détails sur Yango. Sinon, croyez-vous que cette nation sera délivrée? Oui. Si on met en pratique recommandations d'Ambalo Lazoroba, ce pays sera délivré. D'accord. Je crois que ça, c'est une très bonne chose parce que le souhait, il y a tout Congolais ali qui a mon amboka au décollé. Mboko et Kenne Liboso, Maramion, Sotuza la Kitoko, parce que il y a quelque chose que j'ai toujours dit, qui est un pays potentiellement riche avec un peuple extrêmement pauvre. Donc, classe moyenne à la rater. Ah, Moutoussou, il y a un bon oiseau, un bon oiseau, un bon oiseau. De ce moment, oiseau souffrir, pendant ma casse, collègue. Alors, un pays où, des fois, certaines réalités, et s'expliquent à rater. Au scandale géologique, ma minéré, les gars. Mais tout n'a pas congolé, mon oiseau, oui, bien, or, ah oui, ça t'est dans mon maman, sur la table. Donc, ça dure brut à éviter. Oh, coltan, oui, bien, coltan. Peut-être, ben, n'est-ce pas, est, qu'on a, n'est pas, mon an, ma carrière, ah, oui, et va bien, en haut, coltan, oui, ça l'a rabot, castérite, oui, bon, oui. Donc ça dure, des fois, on vit dans une confusion. Et les souhaits, ils allaient Mboka Congo et Keliboso, qui est arrêt de guerre parce que l'est du pays, c'est des trop, c'est des trop. Je crois que c'est des trop. Dans le pays, sous ce moment-là, on a tout fait au mille. Ça dérange, ça vraiment, ça bouge toute une, tout un pays. Une nation, on est combien bougé. Mais au Congo, il y a des millions et des millions de morts enregistrés. Qui va justifier l'Iwana Moutouazate? Alors, nous prions à ce que nous amènons à Sungabiso. À Sungabiso, on aurait appris que Anéo, ils allaient à Nasuka, Yabitoumba, aussi dans le Congo, prophétesse. Okiko, Pesabiso, point de vue, Nayo, ils appellent ça solo. Tout jusque-là, Makambouzana. Bon, sur ça, ce que j'aimerais dire au peuple congolais est que ané kokuzalana souka ya bitumba, si seulement tobimi na kat na bongo to za ngolege. Au cas contraire, et au tikala jamais kozalana souka. Et surtout au moins que tout le monde se dise, voilà, tokomi la belle élection et tout. Aucun de voter et bloc nous surtout. Mais ce que moi j'aimerais dire au peuple congolais de la façon dont ce que Dieu me fait voir et que tout simplement en Yasuka et à Bitumba, si seulement ce peuple se lève, si seulement le peuple naïe et biminakat na boum ou yangouza. Mais avec tous ces projets au gouvernement Nabiso Azana Yango, au gouvernement Nabiso Aza qu'on mettre en pratique, au papa Félix Aza qu'on mettre en pratique, de vouloir y'a qu'au doublé mandat naïe,
de préparer un groupe de gens. Oyako Bimisa de son côté, que voilà, bah voir Nangana Bimisi, de préparer un groupe de gens. Oyo, bah ko sangana, pour nous qu'on moyen y a qu'on changé, bah résultat, oyako Bima. En tout cas, il n'y aura pas cela. Il n'y aura pas cette année Yasuka. Où des gens disent que les années Yasuka passent. Il y a pas si il y a des gens qui pensent que Nazara apprend un malheur, il y a un peuple congolais. Oh, pourtant, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui pensent que Nayara, tout simplement, pour nous couper sa message, pour la destruction, il y a un peuple congolais. J'aimerais vous dire que ce n'est pas ça. Et l'autre qu'on a n'ingaka plus, c'est ça que l'Iloba Nzambe est coquissant. Que le peuple est le moins de souffrance au Tosano. Que le peuple est le moins de misère au Tosano. Parce qu'évidemment, on a peine à vivre dans le Congo. On a vivre dans le Kinshasa, dans la gêne. Et encore de plus de ça, aux autres. Donc, si sa classe, il y a des aînés, oh, bah, si sa classe, il y a l'homme, il les athées, on voit cette souffrance. Donc, on ne peut jamais que le Kakoya, pour nous, on a tout simplement que le cannabis continue à souffrir. Donc, pour un bango, on a souffert à un malheur, et ça, on a vivre. Mais ce que je voudrais, c'est que tout le monde, dans l'Égypte, au Tosali, tout le bima, tout le monde, tout le monde, tout le monde, alors, tout le comment c'est quand un peuple se lève pour prier. C'est quand un peuple se lève pour défendre ses droits. C'est quand un peuple se lève pour invoquer comme bon Nzambe. Ce qui est en Israël, c'est que les gens qui ont été frappés par Pharaon, ce qui est en Israël, c'est que les frappés par Pharaon, en tant que soukate, qui est premier ministre, Israël, c'est que les gens. Alors, ce qui est en Israël, c'est qu'on continue à déstabiliser pour voir où ils sont, pour qu'ils ne soient pas les Kenyans. Alors, il faudrait que, où ils sont les sommets, ils sont. Bas à les soutenir et que aux emballons la coupon des bangouan basala pour que tout manque de souffrance au Tosanango. Donc peuple congolais nous surtout ici car et joie, j'aimerais vous dire que si on se lève, si on prie, si ce gouvernement bah yoki le banazambe, si papa Félix ne s'entête pas et que Azongi si conscience n'aie pas inazambe, c'est en ce moment-là, même sa peau sera sauvée. Il ne sait pas ce qui se prépare derrière lui. Et au yazo préparé, il bosso n'aie à éviter guerre ni qu'au déclencher. Mais ce qui, bah, Azongi, il bosso inazambe, c'est en ce moment-là que souffrance en bon cannabiso négocie. Donc, au contraire, souffrance est aussi là. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Et de notre entretien avec la prophétesse Rebecca, Bozutan, Yakoyo Kae, Bozutan Oyo Kae, puis le message est passé. C'est un message qu'elle a adressé à tout Congolais. Vous êtes Congolais, vous aimez la nation, vous êtes Congolais, vous aimez votre pays, vous êtes Congolais, vous avez l'amour de la patrie, alors bien, ceci vous concerne. Alors quitte à tous de mettre cela en pratique pour que tout vivre changement. Tout ce que nous on veut, c'est la paix. Tout ce qu'on veut, c'est le changement. Tout ce qu'on veut, c'est que ces pays puissent se développer. Dernièrement, je suis en train de dire une chose qui m'a toujours choqué, je dirais, et aux dirigeants, ceux qui ont eu l'occasion d'exercer ma fonction, qu'allez-vous laisser à cette génération? Vous imaginez une génération qui est aujourd'hui exposé, abandonné, à l'air triste et sort, au Supunatolo, Zododo, Agene, Bombé, et Chikata, Chicha, Beba Baksep, Sousou, Chicha, Soypa, et le Miling, et Bele, Bele, Zomanazot. Vous imaginez tout ça? Au moment où on dit que l'avenir de demain, c'est la jeunesse, que serait le Congo de demain avec une jeunesse faible, une jeunesse pourri, une jeunesse qui se livre dans Babylone, qu'on y se tourne, ils ont mis livré dans la dépravation de mers. En ce moment, bah pays musubautin dans la jeunesse, bah jeune, bah ngoba qui ne bat tanga, bah école la technologie, bah zonga namboka, bah renforcer. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Mais nous prions le bon Dieu et nous savons que Nzambe Royo Kabiso, Musala et Komonana, Makambutu et Gochangé, Nakati Amboka Kabiso. Moi, j'aime cette patrie, j'aime ce pays. C'est mon pays. Voilà pourquoi est-ce que même je me suis décidé. Je me dis, moi, je postule. Et puis,
Nzamba kosunga toko kene potoka mamboka o. Merci beaucoup maman Rebecca. Alors un tout dernier message peut-être bandeko qui a quelque chose de bosani. Alors potoka bona un tout dernier message na bandeko tout basi occasion ya kolanda surtout na sepil parce que koto précise le biki no ba toi kan sakate ki no on dit na prophétesse de malheur c'est comme si on dit na ko annoncer kaka mabe. Mais seulement dans la Congo, dans la paix Bango, mais ça, c'est quand même une bonne chose parce que pour tout le monde, il y a des choses qui sont là. Donc, on croit que c'est un peuple congolais et que moi, au Cameroun, on a Zambé. Et puis, au gouvernement qui est en place, moi, au Cameroun, on a Zambé. Et je tiens à préciser que je suis ni pour le pouvoir, ni pour l'opposition. Nazawana pour nos koloba ainsi du l'Éternel. Nazawana pour nos koloba onzambazulu azoye bisanga. Ce n'est pas que quand je m'adresse na batoyo bazar sur place que cela veut dire que bon bazar en opposition bazar malam. J'ai pas dit ça. Mais onza koloba eza ainsi du l'Éternel et mouti par Nzambe et onzambalo la bisinga na s'adresser na peuple naï. Parce que tes Nzambe nanga a songa peuple congolais. Zambedanga a son gambo cannabiso. Enfin, que tu es bana comment la claire, tu es bana vivre réalité, tu es bana kolam sa conscience, nabiso, en se disant que na kat n'Egypte, tu es ali, et zé sous son mot cannabiso, tu es photo bima, tu es de verre cana, photo bima, tu es la liberté, photo bima, tu es la kémia, photo bima, tu es comme appel libre. Parce que tant que tu es en kat naboum, tu es comme ça, le loco mon côté. Alors, tu es un zambalola à son peuple congolais, et tu es un zambedanga à pambolayo. Accompagner yonaba projet nous surtout dans mon salon nous surtout à Kosala ensemble babika moi à Pambola équipe Mobimba ya chaîne ya lendele kombonya sona ebite nouvelle tendance nzamba lola à Pambola bino nzamba babika moi à Baxela bine mingi que Dieu bénisse notre pays. Voilà, toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien puisque nous croyons à l'existence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Moi je suis chrétien et puis fier de l'être. Ils appellent année à ma bété. Alors, je respecte aussi l'appartenance, je respecte aussi le choix des autres parce que la liberté de choix, d'expression, ils ont des choix. Ainsi de suite. C'est par ici que nous mettons un point final à notre entretien et surtout à ce grand magazine d'aujourd'hui, Vérité et Réalité. Si vous avez aimé cette émission ou le numéro d'aujourd'hui, dites merci à Gédéon, qui est la prise de vue, à Sarive Mbala, William également, Batende qui nous assiste. Merci à Jordan Panzou, Zoa Émission Oyo, partagez en haut. On a besoin kota na bureau ya mokonzi mboka et kota na chambre ya mokonzi mboka et kota na salon et kota bisika nyoso tout ba konzi bali bisika nyoso congolais ayali zoa tindelai toyoka parce que ici il s'agit du Congo, il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit de toi moi biso nyoso tout émission yo ezali ko concerner biso tokutani prochainement. Au revoir, bye bye, à la prochaine. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis 666 manières pour na ko bébisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin o yo Satan a pesi yo o komi pauvre. A koti si célibat, a koti si ba blocage, a koti si ba esprit de mort, a komi si bana ba autisme. Bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloqué, vina na ba changé. O bazana mi kumba na bango, bo ya na ngo e pa Je suis heureuse. Et je suis vraiment heureuse que nous avons une faveur, une opportunité, une difficulté. Nous avons débloqué un peu de temps. Vraiment, délivrance, c'est ça.
très nécessaire. Je suis une femme pour un salaire business, pour que nous ayons un peu de bien, pour que nous ayons et puis nous avons faveur et pas tout. Tout ça, nous avons une porte, en tout cas, nous sentir. Ma cola, moi, je suis un peu normal. Shalom à tous, je vous salue tous au nom de Jésus, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. Bien-aimés, ce soir, je viens parler à une personne. Toi qui as des problèmes, tu as des difficultés, tu es arrivé au bout de ta vie. Tu te dis, ça y est, moi c'est fini, je n'ai pas la solution, moi ça y est, mon problème est répondu, je suis épuisée, je suis fatiguée. Tu te poses des questions en toi-même, tu te dis, pourquoi moi? Bien-aimé, le roi David était un petit garçon. Le roi David, son père lui a dit d'aller paître le troupeau, bien-aimé. Donc l'enfant David était hors la maison de son père, en train de paître le troupeau de son père. Mais laisse-moi te dire, à cette époque-là, c'était quelque chose de lourd pour un enfant. Pourquoi? Parce que c'était un métier très difficile pour à cette époque-là, très difficile. Et c'était un métier le plus bas de bas en Israël en cette époque-là. Mais le roi David est parti faire ce que son père lui a dit de faire. Il le faisait très bien. Pourquoi? C'était une formation pour lui. C'était une souffrance à l'ombre pour l'élévation de demain. C'est pour toi, pour ton problème. C'est une souffrance à l'ombre pour une élévation de demain. Pourquoi le papa de David a choisi David? Parce que David en lui, il avait la chose de Dieu. Parce que David en lui, il avait l'élévation en lui. Parce que David en lui, il y avait une étoile qui brillait. David devait passer par des moments difficiles, devait passer par les formations. David a rencontré beaucoup de difficultés pendant qu'il était en train de travailler pour son père. Tout autour du troupeau de son père, il y avait des bêtes sauvages. Qu'est-ce qui s'est passé? À la longue, l'Éternel des armées a donné à David des stratégies comment vaincre et combattre les bêtes sauvages. C'est comme toi. Dans la situation où tu te trouves, à la longue, quand tu vas rentrer en profondeur, le Seigneur va te donner des rémas. Un réma, c'est quoi? C'est une parole révélée. Pour une parole révélée, c'est une révélation afin que tu puisses combattre et vaincre, bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? David, pendant la formation, David faisait tout avec amour. Il a pris la souffrance pour lui. Il a gardé son silence. Il a commencé à travailler. C'est comme toi, commence à travailler. Commence à travailler dans la souffrance. Commence à prier dans la souffrance. Parce que demain, tu puisses rencontrer la gloire de Dieu. Parce que demain, tu puisses voir qu'il y a un Dieu qui est puissant, qui peut agir dans ta vie. Bien-aimé, ce soir vraiment, je tiens à te dire... Ton problème d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Les humiliations d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain, bien-aimé. Dans la situation actuelle, là où tu te trouves, tu te dis, mais Seigneur, comment je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer en profondeur. La profondeur attire la gloire de Dieu. David, pendant la formation, il est resté, il a été formé. Quand il est sorti de la formation, il a combattu Goliath. Il a combattu Goliath. Goliath est tombé. Les gens étaient étonnés. Comment un petit garçon a pu combattre Goliath? David n'avait pas peur de Goliath parce qu'il a pris la formation. Bien-aimé, David a dit, il a été jeune, il n'a jamais vu
un juste abandonné, et son fils mangeant son pain, bien-aimé. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous révéler, peut se révéler à vous d'une manière terrifiante? Nous pouvons aller lire Matthieu 14, versets 24 à 27. Vous allez voir que Dieu s'est révélé à Pierre et aux disciples d'une manière terrifiante. Ils ont cru que c'était un fantôme, or que c'était le roi des rois. Bien-aimé, ton problème aujourd'hui, c'est terrifiant, mais Dieu est dedans. Ta situation actuelle, elle est terrifiante. Dieu est dedans, bien-aimé. N'aie pas peur, monte en profondeur, bien-aimé. Dieu est capable de faire et Dieu va faire. Dieu va vraiment faire. Ça ne sert à rien d'aller raconter tes problèmes aux gens. Je vous dis la vérité. N'ayez pas raconté vos problèmes aux gens. Il y a des personnes qui peuvent vous dire, oui, c'est bien, fais ceci, fais cela. C'est très bien. Mais n'oubliez pas, il y a des conseils qui peuvent venir pour dévier. Ça va dévier la voix de l'Éternel. Laisse Dieu faire dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. David a dit dans Psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. » Reste connecté à Dieu. Réveille-toi la nuit, commence à prier. Prie pour ton mari, prie pour ton frère, ta soeur, prie pour ta vie. Dieu va donner la solution à ton problème. Il faut croire en Dieu. Marche la tête haute. Dieu ne t'a pas abandonné. Regarde David, il est dans, en train de paître le troupeau, mais David est devenu roi en Israël. Ton élévation va étonner le monde entier. Ta situation, les gens vont parler de toi. Les gens qui te parlent mal, ils vont changer de langage. Que mon Dieu vous bénisse. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.